Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans le bassin de chalutiers de La Rochelle et vous allez assister en direct au départ du Rainbow Warrior 3 de Greenpeace. Voilà, donc ce bateau a fait escale pour tout le week-end à La Rochelle. Il a permis à de nombreux visiteurs de venir regarder tout ce qui se passait à l'intérieur de ce bateau. Et voilà, donc les manœuvres pour sortir de bassin ont débuté. Vous voyez qu'il y a toujours le bateau de laminage là-bas qui est en train de tirer le bateau par l'arrière afin de le positionner pile poil dans le couloir du point bascule. Voilà. Vous aviez suivi en direct son arrivée, eh bien vous allez assister à son départ. Et comme vous le voyez, il y a du monde, dont des militants de Greenpeace. Ça se présente pas trop mal. On va se positionner de l'autre côté du point bascule pour que vous puissiez le voir passer le Greenpeace. Voilà, nous avons le bateau du port de plaisance de La Rochelle piloté par notre ami Patrice Bernier. Voilà. Pardon. Voilà, toujours en direct du bassin des Chalutiers, où le Greenpeace va quitter La Rochelle. Tu veux qu'on lui fasse sa période d'essai? Un baptême? Ah non, va la mer. Je t'ai pas dans le port, on a besoin. Le bateau avance tout doucement pour se positionner parfaitement au centre du couloir du point bascule.
Voilà, centimètre par centimètre, le bateau se présente parfaitement pour pouvoir quitter le bassin des chalutiers. Voilà. On utilise les moteurs latéraux pour pouvoir écarter le bateau de l'écluse. S'il vous plaît, messieurs, dames, vous reculez un peu, s'il vous plaît. Voilà, tout se passe normalement. Et Greenpeace sort du bassin. Voilà, le bateau salue son départ de La Rochelle. Voilà, vous êtes toujours en direct de La Rochelle et vous voyez donc le départ du bateau Greenpeace.
C'est toujours émouvant de voir un bateau de Greenpeace quitter le port de La Rochelle. On leur souhaite bon vent pour de belles et grandes aventures. Un petit bateau de gendarmerie assure la sécurité du bateau lors de son départ de La Rochelle. Une belle journée qui s'annonce à La Rochelle. Pour saluer ce bateau de Greenpeace. Alors nous ne sommes pas les seuls à filmer, comme vous pouvez le constater. Les smartphones sont de sortie. Eh bien voilà, nous allons souhaiter bon vent à Greenpeace. Et on vous dit donc à très bientôt sur C17 Info. On vous souhaite une bonne journée.